Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau let's play sur Resident Evil 4. Alors, pour résumer un peu ce qui s'était passé dans les présentes parties, donc on avait atteint un village avec des habitants plutôt chelous, et on s'était aventuré dans le côté ferme, je crois, ouais, c'est ça. Dans la partie ferme, on avait récupéré quelques objets et puis combattu quelques gars. En fait, c'était pas passé grand-chose. Hein. Donc, on va reprendre là où on s'était arrêté, c'est-à-dire cette porte. Voilà, je pense que on continue là. Donc, j'essaye de me refaire aux touches. Donc, ça, c'est sortir le couteau. Pour viser, pistolet, ah, c'est bon. Ouh, les vilains méchants. Sprinter, sprinter! Allez, sprint! Ah, d'accord. Oh, comme il court! Oh mince, j'avais pas vu. J'étais en train de me moquer de sa façon de courir, j'ai pas fait gaffe. C'est pas bien. Continuez. Je sais pas. Oh là là. Bon, on va éviter de se moquer, hein. Ah, je les ai vus passer sur le pont. Ah, ils m'ont ouvert une voie. Alors, je vais vers le tunnel ou pas? Oui. Quoi, ces machins? Vous avez obtenu une spinelle. Merci. Je sais pas si je vais prendre ce chemin-là ou reprendre en haut. C'est ça. C'est quoi cette chose? Oups. Ah, une chauve-souris. Pinel. Attendez, moi j'aimerais bien voir ce qu'il y avait là-bas. Ah ben c'est là où il y avait le rocher, non? La cinématique, pourtant il me semblait que j'avais plus couru que ça, mais bon. C'est pas grave. Oula, c'est où? Vous êtes où les mecs? Ah, ils sont là-haut. Salut. Ah, j'adore. Alors par contre, il faut qu'on m'explique un truc là. Quand je les ai rencontrés la première fois, ces mecs, leur corps restait sur place. Mais là, leur corps, il disparaît. C'est bizarre. Hein? Enfin. Pourquoi leur corps disparaît alors que quand je les ai rencontrés la première fois... leur corps restait là où ils sont morts, quoi. Ouh, il y en a un qui est pas content là-bas. Regardez. Il monte du poing. Concentration! Pourquoi ça tremble autant? Allez hop, dans les fesses. Et dans le dos.
Oui, on entend que leur corps disparaît. Et lui, là, est-ce que je vais avoir sa tête? Bizarre, on dirait qu'il n'a pas de visage, on dirait un crâne. Tremble pas! Arrête! Vilain. Allez, Oh, putain! C'est le truc qu'il avait à la main! Ok! T'as une malade! Ah là, il m'en lance non-stop, là. Je peux pas m'approcher pour le tuer, là. Arrête avec tes pétards! Ouh, je l'ai eu! Ah non. Je croyais que j'avais eu sa tête. Ah, il veut plus montrer sa tête. Ah, c'est bon. Sauf que j'ai vu un autre pote à lui, pas loin. Juste là. Allez, fais des pas chassés, je sais pas. Je vais faire tomber cette dynamite. Allez, mon loulou. Mais non! Mais ça tremble trop, c'est chelou. Comment vous faites? Ah, j'ai plus de munitions. J'ai tout utilisé. Voilà. C'est quoi ça? Grenade aveuglante. Ah bah voilà. Grenade. Et comment on pourrait changer d'arme? Il y a le gars qui m'a balancé des trucs. Allô? Ouh, il est dans la maison. Oh, ils sont deux. Oh, merde. Je me suis pris un piège. Je l'avais pas vu. Alors, on est obligé de repasser par le menu pour... Ok. J'avais vu des grenades par ici. Ouh, les vilaines araignées. Pas vous quand même qui rendez les gens fous. Où est-ce que je les ai tous? Ouh les pièges. Ouh les pièges. On les voit pas.
Bon. Prendre. Oui. Oh, c'est gentil, merci. Ensuite, il y a autre chose là. Encore une grenade, cool. Examiner. La porte est clouée. Examiner. Aucun indice ici. Ouh, j'entends toquer. Là, non, bon. On va sortir d'ici. J'entends toquer. Ça vient de la maison. Faire le tour. On peut donner un coup de pied dessus. Bon. C'est parti! Allez, ouvre. Alors, on va pouvoir sauvegarder. Oui. Sauvegarder. Oui. Aïe! Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ouvrir. Encore des sous! Sais pas où on voit les sous. Là, y a rien. La cheminée est un Alors, je sais pas comment on désamorce ça en tirant dessus, peut-être. Je m'emmerde un peu d'utiliser mes munitions de ça. Quoi, plutôt prendre le pistolet. Oui. Yeah, une plante. Là aussi. Alors, où est-ce que ça toque? Poussez. Ça vient de là-dedans. Like them? No. You? Okay. I have only one very important question. Do you got a smoke? Got gum. Perfect. The big cheese. What? Oh,
Bonne nuit. Ah, on a même des stats. Ok. Tu mords deux fois. Pour le premier chapitre. Qu'est-ce que ça va donner aux autres? Merci. Oh, pardon. Feeble humans, let us give you our power. Soon, you will become unable to resist this intoxicating power. Wake up. Yay. Crawl out of one hole and into another. You want to tell me what's going on here? Americano, see? Now what brings a bloke like you to this part of the world? Oh, hey, easy, whoever you are. Name's Leon. Came here looking for this girl. Seen her? What, are you supposed to be a cop or something? Nah, you don't look the type. Maybe. Okay, let me guess. She's the president's daughter? That's too good for a guess. Wanna start explaining? Psychic powers. Nah, just kidding with you, amigo. I overheard one of the villagers talking something about the president's daughter in the church. And who might you be? Me llamo Luis Serra. I used to be a cop in Madrid. But now I'm just a good-for-nothing guy who happens to be quite a ladies' man. Why'd you quit? Phew, policia. You put your life on the line. Nobody really appreciates you enough for it. Being a hero isn't what it's cracked up to be anymore. Used to be a cop myself. Only for a day, though. I thought I was bad. Somehow I managed to get myself involved with the incident in Raccoon City on my first day in the force. That is the incident with the viral outbreak, right? I think I might have seen a sample of the virus in a lab at the department. Hey, boy. I'm not dying. Do something, cop! After you. Now! It's Leon. Sorry I couldn't get in touch sooner, but I was a bit tied up. You're okay, right? I'm fine. There was a male civilian held captive. According to him, Ashley's in a church somewhere. What happened to him? He managed to escape. Do you have a fix on the location of that church? No. But apparently there's a secret passage in the village that leads there. I'm heading back to the village. Ils arrivent! Non? par contre, le gars là qui m'a attaqué. You. Ok. C'est encore disparu. C'est pas le gars qu'on rencontre la toute première fois. Bon, bref, ils ont tous le même visage, mais. Lui, il avait vraiment une dent contre moi. Donc ce serait pas lui. On peut pas sortir par la fenêtre. Je regarde s'il n'y a pas d'autres trucs à récupérer. Sont où ces bruits de pas là? Allez, venez, je vous attends.
J'ai vraiment pas la... Over here, stranger. Ok. Oh, cool. Prendre munitions de fusil. Oui. Et encore un point de sauvegarde. Mais c'était quoi les pas que j'entendais alors? Bizarre. Par contre, ils nous ont injecté un truc dans le cou là. Je sais pas ce que c'est. Est-ce que je vais devenir fou? Ou alors il y a un alien qui va me sortir du bide? Enfin. Ouvrir. Et là, je me fais attaquer. Non. Personne. On va prendre ça. Ouh là là. C'est pas par là que je devais aller. Bon, je vais suivre l'autre. Il m'a dit de le suivre. Got something that might interest you. Je me disais, c'est un marchand. Ok. Étranger, as-tu remarqué qu'il y a des médaillons bleus dans le village? Reviens quand tu auras tiré sur 10 médaillons ou plus. J'ai une arme spéciale que j'aimerais te faire essayer. Ok. Acheter. Mallette. Mallette de taille moyenne. Ah, c'est peut-être pour stocker, non? C'est pas ça? 7 x 11. 77 emplacements. Fusil. Fusil à verrou de calibre 223. TMP. Pistolet mitrailleur permettant de tirer automatique. De tir automatique, pardon. Tire des balles de 9 mm personnalisé. C'est cher, hein? Lance-roquette. Ah oh ouais. Alors, puissance, cadence de feu, cadence de tir. Pas terrible. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer ou acheter? Optimiser. Quoi le fusil? Je l'ai pas le fusil. Fusil à pompe. Ne partez pas sans lui. Puissance de feu. Contenance. Augmente le nombre de cartouches. Puissance de feu. Pistolet. Puissance de feu. Cadence de tir. Je sais pas. Pour l'instant, je sais pas trop ce qui m'aiderait ou pas. Pâte de poule. Ah, c'est pour guérir mes blessures, là. Ok. Les spinelles, bien que sa taille soit modeste, elle semble avoir une certaine valeur. Ah, ça je peux les vendre alors. Ah zut. On m'avait dit de... Trois renforcements sont visibles sur le côté. Je me demande à quoi ils servent. Bon, ça je suppose que j'en ai pas besoin, je peux les revendre. Prends des sous.
et le bandit. La chope, par contre, la chope, on va la garder. Ah, vu que j'ai plus de sous, mallette. Indique l'emplacement de tous les trésors cachés. Bon, allez, on va prendre. Hein. De rien. J'aimerais bien celui-là. Ou le fusil. Fusil pour tirer loin. On va prendre ça. Ouais. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Là. Non. Qu'est-ce que... Je comprends pas ce qu'il me demande de faire. Ah, c'est ça le truc de la manette, non? Jeter tous les objets qui ne sont pas dans la mallette. Non! Non, j'ai dit. C'est pas vrai. Prends-le! J'ai dit non! Pourquoi il veut pas? Je peux pas la reprendre. Allez, donne-le-moi! Bon, on va dire oui. Il veut pas me lâcher, de toute façon. Donc, il me faudrait une mallette. J'ai plus de sous. il donne pas les lunettes. Spray de premier secours. Lunettes. Auto. Alors, je vais faire un peu de combiné. Là. Et ça, est-ce qu'on peut les combiner? Non. Non. Équiper, examiner, jeter. Ok, bon. Pour ça, c'est bon, je pense. Hein. Prendre. Yeah. Au revoir, mec. Donc, je suppose qu'on doit passer par là. Et on va peut-être essayer d'en tuer quelques-uns, alors. Ils vont ouvrir la porte? Non. Coucou. Ouh, tombé. Ah, je vois pas. Loupé.
Allez, arrête de trembler. Faut que j'essaye le fusil. Non! J'aime bien parce que c'est le coup dans les fesses qui l'achève. Ok, alors on va essayer le fusil. Alors. Zoom. Oh, joli. Ah, par contre. Dis bonjour. Est-ce qu'il y en a d'autres? Là-haut. Là-haut, là-haut. Pff, ça bouge. Allez. Allez. Oui, je sais, je suis nul. Ah, ça va. Et il y en a encore un là-haut. Je l'ai pas eu. Regarde, il marche encore. Pour l'instant, je vois que... Il n'y en a pas d'autres. Ah, ça m'énerve, ils disparaissent au bout d'un moment, les objets. Bon, je crois que ça ira. Il ne donne pas de munitions, le mec. Hein. Je crois pas. Hein. Lance-roquette, lunettes. Pourquoi il me demande une lunette? Alors j'en avais déjà un. Non. Alors tu ne peux pas. Je vais reprendre le pistolet. Mais d'où il vient, lui? Ok. Et d'où il venait? Voilà. On m'a surpris. J'ai mince, il vient d'où? Bon ben... Je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Bon, c'était une petite vidéo, hein, sympa. Hein. On n'avance pas beaucoup pour l'instant, même si on a quand même rencontré le boss, le fameux Big Boss. Le gars qu'on a rencontré, là, le policier de Madrid, ben, je sais pas si on va le revoir un jour, ou si on va le revoir en zombie, puisque je pense que lui aussi, il a été... il a reçu quelque chose de la part de notre hôte. Donc voilà. Donc merci les gens d'avoir suivi cette vidéo et je vous retrouve comme d'habitude pour de nouveaux let's play.